Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Web TV de Belfort-Montbéliard. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme du BUT. Pour ça, je suis accompagné de Madame Annie Laine, chef du département carrière sociale. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour à tous. Et je suis aussi accompagné de Régis Guérin, qui est chef de département des mesures physiques. Bonjour. Alors, première question pour vous, Madame Laine. Comment s'organise le cursus type au sein d'un BUT ? Alors, le cursus s'organise de la même manière, quelle que soit la spécialité. Donc, il est en 3 années. Chaque spécialité va proposer un ou plusieurs parcours. Les étudiants vont les suivre soit dès la première année, ça sera le cas notamment de carrière sociale, soit depuis la seconde année ou voire la troisième année. Très bien. Dans les BUT, il y a donc des parcours. Que sont les parcours ? Alors les parcours, ce sont des spécialisations progressives pour les étudiants qui ont choisi un champ professionnel. Et progressivement, donc, ils vont pouvoir se spécialiser. Alors, si je prends l'exemple de carrière sociale que je connais sans doute le mieux, effectivement, il y a à Belfort 3 parcours. Un parcours qui va plutôt être consacré pour les étudiants qui veulent travailler d'animation sociale et socioculturelle. Un parcours qui va s'adresser, qui s'appelle Ville et territoire durable, qui s'adresse à des étudiants qui souhaiteront plutôt travailler dans les quartiers politiques de la ville et aussi à leur développement. Et puis nous avons un 3e parcours avec une spécialisation bien différente, puisqu'il s'agit de la coordination à la gestion des établissements et services sanitaires et sociaux. Donc là, on est plutôt dans le registre du domaine du service à la personne. Très bien, merci. Maintenant pour vous, Monsieur Guérin, quels sont les parcours en mesure physique qui peuvent être empruntés par vos élèves ? Alors nous, en mesure physique, nous allons proposer 2 parcours à partir de la 2e année. La première année, un tronc commun avec les compétences communes pour tout le monde. Et à partir de la 2e année, les 2 parcours proposés seront techniques d'instrumentation, un parcours plutôt axé informatique, capteur, un parcours plutôt axé physique, et un 2e parcours qui sera matériaux, contrôle physico-chimique, avec des compétences particulières très tournées vers la partie chimie et analyse chimique. Comment peut-on candidater à un BUT sur Parcoursup ? Alors, on peut candidater sur Parcoursup comme les autres années, si on élève de terminale à partir du 20 janvier. Et si on est un étudiant en réorientation, la même chose. Il faut s'inscrire tout d'abord sur la plateforme Parcoursup. Ensuite, on a accès à toute une liste de formations. Et pour chaque formation, il est indiqué quels sont les élèves ou les étudiants concernés. Est-ce qu'on peut postuler en venant d'un bac général, d'un bac technologique ou d'un bac professionnel ? Et ensuite, on peut se renseigner sur chacune des formations, notamment sur les attendus de chacune des formations. Chaque département a bien indiqué tout un tas d'items. Donc l'étudiant peut se renseigner ou l'élève. Les élèves de terminale sont accompagnés par leurs professeurs principaux pour leur candidature. Et ensuite, nous, en fonction des départements, on a indiqué sur quels critères on allait étudier les candidatures. Donc les résultats de première, de terminale pour les élèves de lycée, un projet de formation que l'élève ou l'étudiant est amené à remplir, éventuellement les activités autres que l'élève ou l'étudiant fait. Il faut commencer par prendre toutes les informations sur Parcoursup. Et ensuite, si l'étudiant veut avoir davantage d'informations, il a des liens pour éventuellement nous contacter. Et puis, il va y avoir bientôt une journée porte ouverte qui seront dédiées pour ça. Donc, très bien, vous avez devancé un petit peu ma 2e question qui était comment constituer son dossier. Donc, vous y avez répondu. Et donc, dernière question. Non, pas dernière question. Encore une question, excusez-moi pour vous. C'est est-ce qu'on peut candidater en BUT même si on n'a pas eu son bac, enfin oui, si on n'a pas son bac, ou alors si on est en situation de réorientation. Oui, alors moi je travaille au département en mesures physiques. Chaque année, on a à peu près 20% des candidatures qui sont des candidatures de réorientation. Les étudiants qui sont allés ou à l'université en faculté ou alors en classe préparatoire. Et donc à ce moment-là, quand ils constituent leur dossier, ils indiquent les mêmes éléments qu'un élève qui sort de terminale. C'est-à-dire leurs résultats, notamment de première, de terminale. Ils ont déjà eu le bac, donc leurs résultats au bac.
Et on étudie les candidatures de la même manière que ce soit des élèves qui sortent de terminale ou les candidatures en réorientation. C'est assez naturel qu'un étudiant teste une formation, se rende compte qu'elle n'est pas adaptée, appropriée pour lui et se dirige vers une autre formation. Ça marche dans tous les sens. On a aussi des étudiants qui peuvent se diriger vers une autre formation que la nôtre chaque année. Donc oui. Très bien. Et dernière question pour vous, Madame Laine. Est-ce que les BUT, comme précédemment les DUT et les licences professionnelles, donneront des possibilités pour aller étudier à l'international? Alors oui, bien sûr, parce que si les BUT ont, comme les DUT, effectivement vocation à la professionnalisation, celle-ci peut se faire à l'étranger, donc dans le cadre de stages notamment, mais aussi dans le cadre de semestres qui peuvent être organisés à l'étranger. Alors évidemment, pour l'année qui vient, on est encore un peu dans l'incertitude, compte tenu de la situation que nous connaissons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu et qui dépendra sans doute des spécialités aussi, puisqu'on n'a pas tous nécessairement les mêmes contacts, les mêmes réseaux et conventions, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est envisageable et à propos de laquelle il faut se renseigner, que les étudiants pourront poser des questions au moment où on pourra leur répondre. Très bien. Merci à donc, nos invités, Madame Laine et Monsieur Guérand, pour être venus répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission et les émissions futures sur nos réseaux sociaux, donc YouTube et Facebook, pour chatter avec les enseignants des EUT de l'université. Vous pouvez vous inscrire à la JPO virtuelle qui se déroulera le 23 et le 30 janvier. Pour vous inscrire, vous pouvez aller à l'adresse jpo.univ-fcompte.fr.